Tout simplement, le palmier à huile est au cœur d'un véritable dilemme. D'un côté, ses avantages socio-économiques indéniables, et de l'autre, ses implications environnementales, j'ai envie de dire plus précisément écologiques. Alors, la question de fond qui émerge est celle de savoir comment concilier le palmier à huile avec les objectifs de durabilité. C'est la grande question. Nous qui décidons de travailler sur le palmier à huile aujourd'hui, nous voulons absolument mieux comprendre tous ces processus pour rendre notre pays non seulement au top, mais aussi de mieux maintenir notre biodiversité parce que nous avons l'une des biodiversités les plus riches du monde. Si on commence donc à ne pas mieux élucider les problèmes de cette biodiversité, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais le problème est seulement que d'abord, il faut d'abord savoir quand tu fais quelque chose, il faut qu'on t'explique ce que tu fais. Alors, le projet Opal, dans ses différentes déclinaisons, a cet avantage d'adresser la question du palmier à huile quasiment de façon holistique. Il y a cette dimension des impacts du palmier à huile sur les sols, sur la biodiversité, les aspects socio-économiques. Cette mise en commun d'expertise et de compétences au niveau international est une valeur ajoutée extraordinaire. En fait, c'est la seule façon, finalement, d'aborder une thématique dans son ensemble. Le groupe Opal peut rendre les étudiants camerounais qu'ils appuient à être des chercheurs de rang international. Il faut mettre la terre vraiment en priorité dans la vie de l'homme. Même si vous devenez ministre, même si vous êtes n'importe quoi, vous-même vous le savez. Vous savez que tous ces grands qui sont là, les ministres, les présidents, tout ça, ils font toujours le regard derrière. C'est-à-dire qu'ils pensent que c'est la terre qui donne la vie. Parce que la terre ne trompe pas. C'est pour cela que je vous avais libéré, donné le champ libre de faire les recherches ici. Notre pays n'est pas encore arrivé à ce stade-là d'aider réellement ceux qui veulent travailler, surtout nous qui sommes les mini-planteurs.